Il y a quelques semaines encore, je recevais le rapport d'une mission que j'avais envoyée en Libye dans le cadre de la mission de paix et de réconciliation de l'Union africaine que je conduis depuis près de 6 ans. Le rapport de cette mission a témoigné longuement du courage et de la résilience du peuple libyen. Et chaque fois que les circonstances l'ont permis, la République du Congo a toujours œuvré pour la résolution pacifique des conflits en Afrique et dans le monde. C'est ainsi que mon pays a décidé de prendre une part active à l'initiative africaine pour une médiation de paix entre la Russie et l'Ukraine. En raison du risque de guerre généralisée que ces événements font peser sur le monde, non seulement les deux protagonistes dans ce conflit, mais également les puissances étrangères qui peuvent influencer le cours des événements dans le sens de la paix, tous devraient tempérer leurs ardeurs, cesser d'attiser les braises et s'engager sans délai dans des négociations de paix.